Au cours des prochaines semaines, vous aurez l'opportunité d'en découvrir plus sur le métier policier, mais surtout de rencontrer ces hommes et ces femmes qui veillent à la sécurité des Montréalais au quotidien. Grâce à la collaboration de la Caisse d'économie des policiers et policières, nous sommes heureux de rendre hommage à ces 7200 employés du SPVM dévoués à servir les citoyens et citoyennes de Montréal. Bon visionnement! La présentation de cette émission spéciale du SPVM a été rendue possible grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins des policiers et policières. Le 13 septembre 2006, le Collège d'Ashton était le théâtre de bien tristes événements. Aujourd'hui, on vous propose un regard différent sur cette tragédie en rencontrant, entre autres, les policiers qui ont été plongés au cœur de l'événement. Bonne émission! Le 13 septembre 2006, il y a plusieurs appels qui ont été logés au 911 concernant un tireur à l'intérieur du Collège Dawson. Il y a eu une multitude d'appels qui sont entrés. Il y a des appels qui concernaient une prise d'otage, d'autres appels concernaient un tireur embusqué. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a des policiers qui se sont rapidement rendus sur les lieux et qui ont été en mesure de localiser très rapidement M. Kim Vergil, qui, sans aucune hésitation, l'ont poursuivi à l'intérieur du collège, ont été en mesure de l'isoler et finalement, après avoir négocié ou tenté de négocier avec M. Gill, ont été obligés d'ouvrir le feu sur lui afin de mettre un terme à la menace qu'il représentait. Pendant à peu près une vingtaine de minutes, le réseau de téléphonie cellulaire est tombé à plat. Et ça, à toutes les fois qu'il y a des événements majeurs partout à travers le monde, lorsqu'on regarde les événements du 11 septembre, lorsqu'on regarde d'autres événements majeurs à travers la planète, à toutes les fois qu'il y a un surnombre d'appels, le réseau de téléphonie cellulaire, entre guillemets, tombe à plat. Et c'est ce qui a été vécu avec Dawson. Naturellement, on doit comprendre que plusieurs parents, voyant les images à la télévision, qui ont été très préoccupés, qui ont tenté de rejoindre leurs enfants sur leur cellulaire. Il y a plusieurs enfants également qui sortaient du Collège Dawson et à proximité, qui tentaient de rejoindre leurs proches pour leur dire que tout allait bien. Donc, cette surcharge-là, à un moment précis d'appel dans la journée du 13 septembre, a fait en sorte que la capacité du réseau ne pouvait pas assumer ça. Lorsque nos gens du groupe tactique d'intervention sont arrivés sur les lieux, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on ne savait pas exactement à quoi on faisait face. Est-ce qu'on faisait face à une prise d'otage? Combien de personnes étaient directement impliquées dans cet événement-là? Est-ce qu'on faisait face à un certain moment donné à un événement terroriste? Parce que pas juste au Collège Dawson, où on avait des informations qu'il y avait des personnes qui étaient armées, mais dans un centre hospitalier à proximité et également dans un centre d'achat. Donc, c'est la complexité de ces événements-là qui a fait en sorte que lorsque nos policiers du groupe tactique se déplaçaient et qu'on voyait ces images-là à la télévision, bien, si on avait eu à faire face à plusieurs tireurs, ces gens-là auraient été en mesure d'identifier où nos policiers étaient, ce qui aurait naturellement mis en péril la sécurité de nos policiers et policières. Au total, pour la gestion complète de l'événement de Dawson, lorsqu'on parle des patrouilleurs qui ont été les premiers rendus sur les lieux, lorsqu'on parle des enquêteurs qui ont pris charge de l'enquête, mais aussi qui se sont rendus pour aider certains témoins, lorsqu'on parle de l'ensemble des équipes de soutien, des équipes spécialisées qui ont été déplacées, il y a eu au total 386 policiers présents cette journée-là pour répondre à l'appel au Collège Dawson. C'est ce qui est le plus beau à l'intérieur d'un métier comme on fait. Après toutes ces années, de voir l'engagement de notre personnel, de voir à quel point les gens ont cette passion-là. Lorsque l'appel est rentré concernant le Collège Dawson, la majorité des policiers qui étaient affectés à d'autres tâches se sont dirigés sur les lieux pour aller porter assistance à leurs collègues. Et je vous dirais que c'est toujours très réjouissant de voir un niveau d'engagement tel de la part de nos policiers et policières. Lorsqu'un service de police mène une intervention policière et que dans le cadre de cette intervention policière-là, il y a soit le décès d'une personne, il y a soit des blessures graves qui sont subies par une personne qui peuvent mettre en péril sa vie, ou encore lorsqu'une personne est atteinte d'un coup de feu tiré par un policier, toujours dans les paramètres d'une intervention policière, les services de police ont l'obligation de rapporter et de signaler ces cas-là au ministère de la Sécurité publique. Après une évaluation, le ministère de la Sécurité publique décide si l'enquête de cet événement-là est confiée à un autre service de police. Donc, dans le cas du Collège Dawson, il y a effectivement eu l'intervention policière des policiers du SPVM.
Les policiers du SPVM ont tiré un individu. Cette personne-là est décédée et c'est suite à son décès que le ministère de la Sécurité publique a décidé de confier l'enquête aux policiers de la Sûreté du Québec, justement pour s'assurer d'une transparence importante dans le cadre de l'enquête. Et je vous dirais que c'est pas juste l'autre service de police qui assure ce niveau de transparence-là, mais ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que lorsqu'une politique ministérielle est déclenchée par le ministère de la Sécurité publique, oui, dans un premier temps, c'est un autre service de police qui mène l'enquête, mais aussi le dossier est soumis à un procureur de la Couronne d'un district judiciaire indépendant qui va, lui, se pencher avec un œil très objectif sur le rapport d'enquête qui lui a été présenté par le service de police désigné par le ministère de la Sécurité publique. Donc, de cette façon-là, on s'assure vraiment d'une transparence à plusieurs niveaux. Il faut comprendre qu'une enquête de politique ministérielle est une enquête confiée à nos gens des sections des crimes majeurs. Donc, ces gens-là sont des gens habitués de gérer des dossiers complexes, des scènes de crimes complexes. À Dawson, il y a eu une multitude de coups de feu tirés par M. Gill lorsqu'il est entré à l'intérieur. Donc, il faut comprendre que la couverture de la scène de crime peut prendre habituellement entre 24 et 48 heures. Une fois que la scène de crime est faite, dans le cas de Dawson, il y a eu plus de 500 déclarations de témoins civils et policiers qui ont été obtenues. Donc, il faut analyser ces déclarations-là, il faut comprendre exactement ce qui s'est passé. Lorsque nos techniciens font l'analyse de la scène de crime, il y a plusieurs éléments de preuve qui sont recueillis, que ce soit des douilles ou autres, et ces items-là sont soumis à une expertise au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal. Et il y a des délais avant d'obtenir les résultats de ces différentes analyses-là. Et une fois que le dossier est complété, que les résultats d'analyse ont été obtenus, il y a un précis des faits qui est soumis au procureur de la Couronne qui, lui, prend le temps de se pencher là-dessus. Mais on doit comprendre que lorsqu'on soumet à un procureur de la Couronne un rapport comprenant 500 déclarations avec une multitude de documents additionnels, ça prend un peu de temps pour lire, comprendre, analyser et prendre une décision éclairée. À partir du moment où nos policiers sont entrés à l'intérieur du collège Dawson, on doit y aller de façon séquentielle. On a dû s'assurer, avant de débuter la gestion de la scène de crime, qu'on avait sécurisé l'ensemble du collège Dawson, qui est un immeuble immense, comprenant 9 étages et regroupant plus de 10 000 étudiants. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas sécuriser parfaitement un édifice de telle nature en l'espace d'une heure. Ça a pris plusieurs heures et uniquement après qu'on ait été en mesure de sécuriser l'édifice, on a pu procéder à l'identification de la victime et les membres de sa famille ont par la suite été avisés. Moi, de 2019, les Wood, et je vois quelqu'un au bord de la rue qui se promène avec une carabine. Ils étaient présentement vers l'école d'Arsène. Nous étions répartis sur un appel de drogue.